Bonjour mes petites lucioles, je vous souhaite une joyeuse et bonne année, comme je ne vous ai pas encore repris en face cam depuis le nouvel an et même Noël, parce que j'ai fait les quelques vidéos de Noël, les ouvertures des calendriers, et après je n'ai plus fait de face cam, je veux dire, enfin, prends la caméra. Aujourd'hui on est le 4 janvier 2021 et du coup je viens de recevoir la je devais parler la cube et du coup je voulais ouvrir la cube avec vous. En même temps, j'espère que votre année sera bon dans la lecture, dans vos projets, tout ça. Je vais essayer de vous reprendre. Je sais pas si j'aurai le temps tantôt, j'ai envie de refaire une vidéo, vous parler un petit peu de mes lectures, mais combien j'ai lu de livres, où j'en suis, où est-ce que je veux changer cette année, voilà, les nouvelles raids, le truc que je veux changer. Du coup, on va s'ouvrir ça, on voit, pas très bien, mais on voit quand même. Du coup, je sors tout, la boîte est vide, je mets à côté de moi, j'ai du bordel à côté de moi comme d'hab, je mets le livre de côté, je prends tout ce que je peux, on a du thé et encore du thé, du thé bio, la route des comtés, douce Noël, et celui-là c'est un le thé de au goût de liberté. Là, il n'y a rien de marqué dessus. Celui-là, oui. C'est un thé bio créé en France. Voilà. Après, on a, comme d'habitude, la préface. Voilà, avec plein d'écritures. Et dans une autre vidéo, je vais vous dire si je préfère la Woobox. Enfin, le petit colis ou la cube pour voir les prix et faire une comparatif avec vous. Du coup, on a une jolie carte qu'on peut envoyer à son libraire. Parce que si vous ne savez pas, c'est un libraire qui choisit votre livre. Un beau marque-page. Il est beau, il est de deux côtés. Voilà. Je pense que je vais les plastifier. Après, on a eu un calendrier 2021. C'est pas mal ça. Hop, ça je vais essayer de le prendre et barrer tous les jours. Voilà, je mets là. Après, on a eu ceci. Vous allez peut-être pas voir avec le plastique. Des fiches. De fiches des lectures spéciales. La cuve. Nos fictions, des imprimés français. C'est du papier recyclé aussi, je crois, si j'ai bien vu. Il y a 15 petites fiches de lecture pour consommer la lecture sans souvenir. Ouais, voilà la petite fiche. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Du coup, si, parce que c'est pas écrit en français comme d'hab, le titre, l'auteur, la page, quand vous commencez, quand vous finissez, et puis votre ce que vous pensez. Et ça, ça peut être toujours pratique. Voilà, je vais essayer de le remettre dedans, attaché comme ça, je ne les perdrai pas. Après, ceci c'est un petit livre qui est L.PE Archtel, le 16e ciel d'Autrache Élise au petit quai Voltaire. Du coup, je suppose que c'est un début de roman. René et Jeanne auraient aimé le Rémi tranquille assurance. Maîtresse à quelques PS à René de roman, je sais pas. Si vous savez lire, faites pause. Traduit en anglais par Lisa, hein, en librairie le 26 février. Ah ouais, c'est un début de roman, comme je disais. Il est en librairie à partir de 18 février. Ça, c'est pas mal, je trouve. Qu'on n'a pas dans la petit colis.
pour commencer un livre. Moi, ça me ferait juste chier de commencer un livre et de pas voir la suite, quoi. J'espère que ça finit pas mal. Il est du petit quai Voltaire, 304 pages. Il sera à 14 euros. Exclu dans la Webox. Cube. Voilà. Je ne sais pas. Ça me tente pas trop. Et le petit livre. Du coup, on a un mot du libraire. Bonjour, Jennifer. Agen. Mais de petits mots justifient tous les max. Qu'elle borde avec une grâce matrice de roman. Magnifique, une belle leçon de vie et d'amour. Bonne lecture, Antoine, libraire Cube. Voilà. J'ai pas eu le temps. J'ai reçu le mail en fait. Vous pouvez choisir votre lecture. Et moi j'ai demandé pour la choisir parce que comme j'en ai assez bien, j'ai pas envie de tomber sur un double. Mais celui-ci, j'ai pas eu le temps. Avec les fêtes, j'ai pas eu le crédit de répondre. Voilà. Pour le livre, je suis un peu déçue. Là, il est plié. Comme ceci. De Angèle Le dit. Pars avec moi chez Pocket. C'est pas un livre que j'aurais été vers lui. Par contre, c'est un truc qui me plaît pas trop. C'est que c'est écrit tout petit. J'aime pas ça. Pars avec lui. Bon, je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture parce que ça fait toute la quatrième de couverture. Enfin, je sais pas si je lirai tout, mais on va voir. S'il s'appelle Roméo et Juliette, comme il était prédestiné, mais c'est à eux d'écrire leur histoire. En dépit des accros de cachot et leurs heures, lui est pompier, un héros de quotidien, solide comme un roc, mais pas assez pour résister à une chute de 8 étages, malheureusement amorti par un arbre. Si c'est triste, je n'ai pas envie de lire, hein. Non, ça a l'air triste quand même. Elle est infirmière de celle, enfin, infirmière, point, de celle pour lui, leur travail va bien plus loin que soigner les corps attentifs, attentionnés. Elle donne aux autres, sans compter ce qui se propose d'accompagner. Laurent lui refuse. Ces deux êtres cabossés par la vie, donc une tendre main, la main et apprendre d'énerve et contre tout. D'être heureux, ce n'est pas regarder d'où on vient, mais où on va. Pas mal. J'espère que c'est quand même pas un peu triste parce que j'ai pas envie de lire des livres tristes. Des mots juste pour tout et Max qu'elle aborde avec une grande maîtrise magnifique. C'est ce qu'elle avait écrit là, l'autre. En fait, elle s'est pas cassé le cul, il me semble. Ouais, c'est ça, elle a repris la juste la petite phrase qu'il y a derrière le livre et elle l'a écrit sur le justifique, enfin le papier qui doit être un petit mot pour nous. Voilà, il fait combien de pages quand même? Et c'est un livre 2016 suite du premier tirage. Allez, combien de pages? 348 pages. Ça peut se lire assez vite. Mais c'est petit, je trouve, quand même. Tout petit. Voilà pour ce livre. Regardez encore la couve. Voilà. C'est pas des livres que j'irai directement dessus. Je trouve que ouais, les goodies, ça peut aller. Maintenant, j'ai pas encore eu la box du mois de décembre. Du petit colis. On verra ça quand je la recevrai. Voilà. C'est tout.
Sur ce, je vous ai ouvert la box. Enfin, ouais, la box. Cube. Je suis contente. Oh, le papier qui colle. Je suis contente. Même si c'est pas un livre que j'aurais été me retourner dessus. Pourquoi pas? C'est pour ça que je prends la. C'est pour ça que je prends des box. Pour avoir des nouvelles lectures. Pour en voir plus, quoi. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que votre lecture sera bonne. Pas trop de mauvaises lectures cette année, j'espère. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.